L'acteur Philippe Lellouche parle de façon générale assez peu de ses enfants, mais là il s'est lâché. Le papa de quatre bambins, certains étant déjà bien grands, estime que ces derniers sont de parfaits ingrats et ce n'est pas un problème. Un message envoyé à ses enfants? Philippe Lellouche a répondu aux questions de Karine Jonca et le moins que l'on puisse dire, si est qu'il a gardé son franc-parler. Papa de quatre enfants, Solal, 2003, et Charlie, 2011, dont la mère est Vanessa Demouy, d'une petite fille née en 2018 qu'il a eue avec sa compagne actuelle Vanessa Boisjean, et de Sam, 1995, issu d'une précédente relation, le papa trouve que ses enfants sont de parfaits ingrats et il s'en réjouit. « Je vois mes enfants, des fois ils n'appellent pas pendant une semaine. En fait, ils sont ingrats quoi. Tu te dis, merde, on a été les maîtres dans des écoles privées, on a payé des fortunes. Ils s'en foutent. Il n'y a pas un merci papa », a-t-il déclaré. Et à la journaliste de lui rappeler que tous ses investissements pour ses enfants ont été ses choix et pas les leurs. Conscient que tout cela est bien vrai, Philippe Lellouche a alors nuancé, surtout si est normal et en fait si tu t'es comporté normalement, ils seront ingrats et donc il faut bénir le ciel qu'ils soient ingrats. Philippe Lellouche évoque la naissance de ses quatre enfants enclins à la confidence, le frère de Gilles Lellouche a aussi évoqué la première fois qu'il est devenu père, un moment d'une intense émotion, j'étais en larmes. J'ai la larme facile. Je suis très émotif. Et je me suis dit, voilà ce petit bonhomme-là, si est-il moi qui vais être responsable de toute sa vie. Il compte sur moi quoi. J'ai eu cette réaction-là pour les quatre. Je me suis dit toi ou comment je vais pouvoir aimer plus que ça si j'ai un deuxième enfant, comment je vais faire? Et si est-il là quoi ne se rend compte que le cœur est merveilleusement fait car l'amour ça ne se divise pas. Philippe Lellouche aime donc ses ingrats d'enfants de façon équitable. Et pour eux, il a pris soin de faire en sorte que les ruptures avec les mamans se passent bien. Avec Vanessa Demouy, Philippe Lellouche avait décidé de tout dire à leurs enfants, nous avons préféré leur parler, leur dire la vérité. Leur réaction a été assez mature. J'ai l'impression qu'ils ont bien accepté le choc, même si on ne le saura vraiment que dans quelques années. J'ai fait en sorte qu'ils rencontrent une ou deux fois un psy, histoire qu'ils puissent s'exprimer librement, avait en effet expliqué son ex. Un autre investissement pour leurs enfants qui seront peut-être reconnaissants dans quelques années.